Bienvenue dans la prière pour surmonter trop puissamment une attaque financière. C'est une prière que j'ai préparée où j'aimerais prier pour n'importe qui dans le son de ma voix. Tout ce que je vous demande, c'est d'être d'accord avec moi pendant que je prie et ensemble, nous chercherons notre Père Céleste. Nous laisse prier. Père Céleste, nous nous rassemblons et nous mettons d'accord au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Là où deux ou plus sont réunis là-bas, vous serez au milieu de nous et tout ce dont nous sommes d'accord vous touchera sûrement. Père, au nom de Jésus, il n'y a pas de distance dans l'esprit et nous vous remercions pour la personne que je prie pour vos désirs, une prière pour surmonter puissamment une attaque financière. Père, vous avez un moyen de sortir de leur situation financière. Ensemble, d'accord, nous lions les forces démoniaques venant contre eux au nom de Jésus. Enlevez vos mains de leurs finances, ils sont un enfant de Dieu et un donateur, vous n'avez donc pas le droit de contrôler leurs biens et leur argent. Nous réprimandons les forces ennemies, partez maintenant. Maintenant, Seigneur, ta parole dit que lorsqu'ils sèmeront la semence, tu la multiplieras. Nous vous demandons de les aider à savoir où aller, alors s'il vous plaît, amenez la personne ou l'organisation dans laquelle vous voulez qu'ils sèment. Ils veulent semer la semence dans une bonne terre pour qu'elle produise une récolte abondante comme tu l'as promis. Seigneur, aide-les à semer non pas dans la peur mais dans la foi. Aide-les à... Oui, aidez-les à s'attendre avec confiance qu'en conjonction avec le fait de parler contre l'ennemi, la graine qu'ils sèment brisera ceux qui tentent de lier leur situation. Nous te louons car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et tu es déjà à l'œuvre dans la vie de la personne pour qui je prie. Nous vous remercions d'avance pour le redressement et la percée financière. Nous décrétons et déclarons que tu es plus grand en eux que tout ce qui tenterait de venir contre eux. Oui, nous décrétons et déclarons que les difficultés ne contrôlent pas leur marche avec vous dans aucun autre domaine de leur vie. Nous voulons car avec votre aide divine ils ne cèdent pas à l'attaque mais se battent plutôt en Christ. Merci car, alors qu'ils continuent à dire fidèlement votre parole et fidèlement, quelles graines ils peuvent, cela brise l'étranglement de leurs finances et de leur vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, continuez à les sortir de leur attaque financière, vous connaissez la route exacte qu'ils doivent emprunter. Les mots qu'ils prononcent et la semence qu'ils sèment seront multipliés dans leur vie plusieurs fois, vous y verrez personnellement la gloire. Oui, parce que la personne pour qui je prie cherche d'abord votre royaume et votre justice, elle verra vos bénédictions manifestes dans sa vie et son témoignage de surmonter cette attaque financière inspirera les autres. Nous croyons et recevons tout ce que nous avons prié et vous rendons gloire à l'avance car cette prière est exaucée.
Au nom merveilleux et précieux de Jésus, nous prions. Amen.